Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer avec les mains sanglantes. Et donc, on s'était laissé, j'avais... Bah là, j'avais pacifié tout le... toutes les mon... toutes mes régions près de moi, donc on a éliminé Caracazul, on avait éliminé les autres orques sauvages de la... du premier horde, un truc comme ça. Et donc là, en ce moment, c'est un peu, on est un peu tranquille. On va essayer d'améliorer notre économie, de monter toutes nos cités et d'améliorer nos armées, parce que notre grand ennemi prochain, ça sera les peaux vertes. Pour l'instant, pour l'instant, voilà, je vais pas les attaquer, mais je vais, enfin, mon but, c'est quand même bientôt de les attaquer. J'avais aussi envisagé d'attaquer peut-être les nains à l'ouest. On m'a dit de ne pas le faire, de me concentrer sur les peaux vertes, ou l'un et l'autre. Je pense que je vais pas faire les deux en même temps, mais je pense que je vais quand même... moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller prendre cette région-là. Vous pouvez voir que là, cette région-là, principale frontière ouest, il n'y a plus rien. C'est la ruine, donc autant profiter d'aller les prendre. On peut voir. Alors, ça se trouve, les nains vont s'en emparer avant moi. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, ils ont quand même des armées. C'est vrai que je pourrais m'en pas, je pourrais intégrer eux dans ma confédération pour pouvoir les attaquer par derrière. Et derrière, les peaux vertes, ils ont beaucoup de territoire, mais ils ont pas tant d'armes. Leurs armées, je ne sais pas où elles sont. Et je crois que, comme on me l'a dit, ils sont plutôt accaparés dans le nord. Il y a aussi les vampires ici qui sont assez présents, mais ils sont en guerre. Ah bah, ils ont pris Karakongor. Bon, j'avais pas vu. Donc les nains ont totalement disparu. Malheureusement. Ils sont en guerre contre... D'accord, donc ils sont en guerre contre ces nains-là. Ils sont en guerre contre qui se lève, les contes vampires. Ah, ils sont en guerre contre ces contes vampires d'où ça? Ah non, oui, d'accord, non, c'est les contes vampires, ouais, c'est bien ce que je pense. La Hochland et l'Ostermark. Et c'est bien qu'ils soient en guerre contre les contes vampires. Donc ils sont en guerre contre eux. Et ça peut leur faire beaucoup de mal. En plus, tout le nord de... Enfin, tout le nord pour nous, mais le sud de l'Empire est totalement pris par les vampires. Et ils ont quand même pas mal de territoire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le Mootland, qui est détenu par les... Ah, les elfes sylvains ont le Mootland. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, le Mootland, qui est le pays des elfelins, qui est détenu par les elfes sylvains. Ok. En même temps, je vais garder mes armées ici pour préserver... Enfin, je vais garder cette armée-là et cette armée-là pour préserver ce territoire-là. Mon chef, lui, va aller se balader de ce côté-ci pour foutre le bordel. Et j'envisage, vu que j'ai quand même 2466 de revenus, j'envisage de faire une nouvelle armée. Peut-être. Non. Non et non. Oui, voilà, je peux pas le faire pour l'instant, mais... ce que je voulais voir... Vous voyez. Est-ce que là, je peux recruter tout le monde? Là, c'est surtout une armée de nabos que je peux faire. Et ici, je peux faire une armée d'orques. Bon, je crois que c'est à peu près les mêmes unités au final. Parce que là, j'ai un peu plus de choix. Ouais, on va la fera ici, je pense. Parce qu'après, je n'ai pas... Enfin, ouais, non, je peux pas faire... Oui, bon, bref, on va passer de tour et voir ce qui se trame. Lui, il me fait quoi là? Toi, tu me fais quoi déjà? Moi, 20% de construction de province locale. Ouais, on va te laisser là. On sera moins cher, donc j'ai un héros ici. J'ai un champ, enfin un héros ici, et l'autre est en train de se balader là-haut. Ok.
Le truc chiant, c'est que je vais... mes armées peuvent pas être au repos tout le temps, puisque forcément leur agressivité va descendre, enfin leur combativité là va descendre. Et après il va y avoir des frictions entre eux. Oh, il y a une wargue, il y a de la lune, quoi, je suis bien fin. Surpopulace. FECM bête. Ouais. Un rang obtenu. T'es qui toi déjà? Est-ce qu'il y a des trucs pour toi? Non. Je sais même plus t'es qui toi. Un grand chaman. Ah, ça c'est mon héros. Je crois que c'est mon héros lui donc. Ah non, non, c'est pas mon héros vu qu'il a des trucs dans la. Non, ça. Donc il a des trucs militaires. Ok. Hop, on va prendre ça. Ouais, c'est celui-là qui dirige cette armée-là. Allez, j'ai du pognon. Qu'est-ce que je vais pouvoir augmenter? Ça, c'est pourquoi? C'est pour le Sagan de Valaya. C'est vrai que le Sagan de Valaya est en première ligne. Si je peux augmenter ça. Ici je pourrais monter. Ah, il y a tellement de trucs à augmenter. Ok. Peut-être à Caracazul, on va monter ça. Parce que c'est une grosse cité quand même. Et il faut que je monte ça. Ce qui est bien, c'est que l'obéissance partout est en train de monter. Normalement. Ouais, c'est en train de monter dans tous les sens. Et ça, c'est très très bien. Pour l'instant... c'est quoi déjà ça? Utiliser héros pour accomplir... Ah, utiliser un héros pour accomplir une action contre une colonie appartenant à la race suivante, tribu de peau verte. Oh, j'avais pas vu ça. Déployer un héros au grand chef global dans la province. Ah, d'accord. Ah bah oui. Bon, on va le faire. Bah tant tiens, toi, tu vas aller là. Hop. C'est ta mission. Ah bah non, ils y sont pas allés alors. Mais les nains, ils sont en guerre contre qui là? Oh là-bas, ils sont en guerre contre tout le monde. Bon, les Vargues, forcément. La Tilée, KO, ouais. Les elfes sylvains. Et les peaux vertes, d'accord. Et eux, ils sont en guerre contre les hommes bêtes et les nains. Et ils sont alliés avec l'Estalie. L'Auchland. Ouais, pour l'instant... Oh, je suis en guerre contre les hommes bêtes. J'ai même pas fait gaffe. Pour l'instant, il n'y a pas de paille de non-agression entre nous. C'est très compliqué. Allez, nous on va faire le touriste. Ils ont pas d'armée. Hein. Pour l'instant, je vois aucune armée. J'aimerais bien faire le salaud et franchement je pourrais largement attaquer les principautés frontalières. Hein. J'ai rien du tout. Ce serait du pain béni pour moi. Mais alors je vais les laisser s'entretuer avec les... Oui, je passe sur ton territoire, mais je m'en fous. Je vais laisser s'entretuer avec les nains pour l'instant. Ouais, ça c'est en train de baisser, ça me plaît pas trop. Ok. De toute façon, je peux rien faire pour l'instant, donc on va passer le tour.
Ce que j'ai peur, c'est qu'au bout d'un moment, les peaux vertes vont me déclarer la guerre. Et ça, c'est sûr et certain. Voilà. J'aime mieux aller reformer ça quoi. Ah c'est bon, on peut faire des trolls. On peut faire des trolls. Je pense que ça doit coûter une blinde les trolls. 216. Allez, pour le plaisir, je vais faire une unité de troll. D'ailleurs, on m'a donné des noms, il faudra que je les retrouve. Des noms de trolls, je m'en souviens plus du tout. Enfin, je les ai pas sous le nez, donc je les renommerai sur un autre épisode. Et eux sont... Ils sont en attrition, c'est hallucinant. Hein. J'avais dit que je voulais reformer une nouvelle armée, mais je me demande si avant... Je peux rien faire là. Ah ouais, juste parce que j'ai fait des trolls. Ça coûte... Ça coûte si cher que ça. Eh ben mes aïeux. Limite, je peux faire que ça. Et ça me rajoute quoi? Croissance plus 40 tout de... Ouais. Bon, on va laisser de ça. On va économiser. Pour l'instant, ce n'est pas prioritaire. Bon, bah passons le tour alors. Parce que là... Je peux rien faire. Il y a lui qui bouge. Mais pour l'instant, ouais, les peaux vertes, ils sont pas en... Je pense pas qu'ils soient en force de m'attaquer. Hein. Je veux dire, ça mettrait... Hein. Ils ont tellement d'ennemis. Voilà. Les orbites de la salle, c'est inondation. Portée de déplacement, moins 50%. Obéissance, moins 5. Aïe. Aïe 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 aïe. Bah justement on va monter ça. Voilà. Une inondation, bah, bravo. Donc on va. Oh je peux pas rien faire, collectif capturé. Bah oui, mais je peux pas la coloniser. Ah moi je pensais moi. Bizarre. Peut-être que je peux pas construire des cités. Bah si, normalement on peut. Reconstruire des cités détruites, mais normalement si on peut. Je vais essayer avec l'autre, mais c'est vraiment. C'est vraiment très bizarre. Parce que là, il y a. Il y a ça aussi. Et ouais, c'est chelou. Dog de ruine, ouais, ok. Très bizarre. Alors je sais pas s'il y aura des batailles dans cet épisode-là. Hein. À part si je me trouve un nouvel ennemi. Orque sauvage. Ouais, on a du troll. Wouhou! Rang obtenu pour Angor. T'es qui toi? T'es le... Ouais. T'es lui. Hop. On va te donner ça. Il n'y a pas d'armes pour toi, c'est ballot. Et il n'y a rien personne. Ok. Attendez, je sais... Ah bah non, je peux rien faire. D'accord, je ne peux rien faire. Je ne peux pas construire une cité parce que... C'est pas juste ça. Il faut tout raser. Bon, bah on va tout raser là. Ah bah d'accord, ça a été rasé. Mais...
Je comprends pas trop comment. Ça, c'est un peu dommage, ce genre de truc. Qu'on puisse pas, parce qu'on est des orques, qu'on puisse pas faire ce qu'on veut. Je vais améliorer ça quand même, parce qu'il le faut. Je trouve ça un peu limité. C'est comme les nains, ils peuvent pas construire hors de leur montagne, alors que les elfes le peuvent. Je trouve ça un peu illogique. Alors même, ils auraient dû faire comme les elfes, faire un espèce de comptoir commercial ou une mini colonie. Un étranger arrive, un étranger à cap est venu des terres brumeuses d'Albion. Ok. 3000, oh, pff, non, on va refuser cette créature. C'est déjà assez le bordel comme ça dans mes terres. Oh non, et ça y est, l'autre il en... Oh, vous êtes casse-noisette, le mec là. Voilà. Il y a quoi? Il y a rien par là, là? Bon, bah ouais. Ouais. Continue, je vais attaquer les peaux vertes, moi. Il n'y a aucune de leurs armées, mais je sais pas où sont leurs armées. J'aimerais pas que toutes leurs armées me viennent sur la tronche d'un coup. Toi tu vas partir par là, voilà, tout est en ruine. Oh, ils ont une armée ici eux. Il y a des elfes qui sont juste là. Ils ont Karak Norn, Karak Asgaraz et Grindol. Je sais pas du tout où est Asgaraz. Je crois qu'elle est par là. Ouais, elle doit être par là. On est où là avec les guerres Attention, rencontrer vampire, d'accord. Je suis vraiment... intrigué. On va améliorer ça pour le pognon. C'est vraiment jamais le moment qu'on m'écoute. Allez, passez-vous l'armée qu'il y a ici. Là. Où est passée cette armée? Parce que là du coup, ouais, ils ont rien pour défendre. Comment je pourrais faire ça? Il va falloir que j'envoie des éclaireurs. Il va falloir que j'envoie des éclaireurs, genre, pour voir ce qui se passe chez les peaux vertes. Est-ce que je peux recruter? Non, je suis au maximum. Ouais. Dommage. Par contre, je peux toujours recruter un... Lequel prendre? L'honorable ou le déformé? Commandement ennemi moins 2 dans la région locale. On va prendre lui, tiens. Je crois que je vais préparer ma guerre contre les peaux vertes.
Faut faire un truc rapide en fait. C'est ça le machin. Je vais envoyer mes espions, si je veux, pour voir ce qui se passe. J'aimerais bien savoir où sont toutes leurs armées en fait, c'est ça le truc. Je ne sais pas où sont toutes leurs armées et ça m'en... Je trouve ça plutôt embêtant. Là, il y a ça qui est en train de se faire assiéger, à mon avis, ils sont en train de se faire détruire par les nains. Va par là, toi. Hop là. Ouf, elle doit être mastoc l'armée. Si elle sait pas quand on fait attaquer, elle doit être vraiment mastoc l'armée. Par contre, il y a beaucoup de trucs en ruine, hein, l'armée des elfes aussi, là. Et donc, toi... Tu es enfin arrivé là. Ici... Mais je pourrais peut-être faire ça... Caracazul, il faudrait que je mette des portes. Ouais, faut que j'améliore ce truc-là. C'est moi ou l'armée de players qui est ici est partie. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression qu'ils se sont cassés. Ce qui est bien. On passe beaucoup de tours là. Qu'est-ce que vous voulez? Oh. Pourquoi? Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, ils sont en guerre entre eux, tant bien, c'est brut. Ah d'accord. Ok, faut que je retourne ici, genre refaire mes troupes. Ah, les voilà. Ils ont rien du tout avec le massacreur. Vorgaz. C'est bien là que je devais aller, hein. Le premier héros, grand chef Goldblum dans la province suivante. Bah, c'est bon, c'est fait. Est-ce que tu es bien un grand chef Goblin? Non, tu es un chaman de gobelin de la nuit. Ok, bon, je me suis gouré. C'est pas grave. Genre, c'est toi, faut que j'envoie, c'est ça? Grand chaman gobelin. Quoi? Grand chef gobelin. Ah ouais, d'accord. Je sais ce qu'il faut que j'envoie. Ouais, mais je l'ai pas encore. Normalement... Mais si, je l'ai encore. C'est qui est là, en fait? J'en ai un sur un. What? C'est pas l'autre qui est là-haut, là? Ah, c'est ça, grand chef gobelin. Il est un peu trop loin. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, c'est un peu calme. Qu'est-ce que vous me voulez, vous? Les elfes, c'est même les clans de la guerre, donc. Vous êtes un peu loin, les gars, hein. Je sais pas... Si vous venez chez moi, ça va être un peu suicidaire. On va faire ça, morgue. D'accord, je négocie une paix.
Sinon, je peux aller là, à limite. Hein. Et je fais un camp et je peux pas. Ah, fiché. Bon, tant pis. Non. Fort de Côte de la Mort ou Mont Brumeux, on va faire le Mont Brumeux. Voilà. Là, je peux commencer peut-être à recruter des petits gugus. Voilà, déjà, j'aimerais bien avoir des orques costauds. Allez. Et il est où l'autre? Ouh, ah oui, d'accord. J'aime pas du tout les vampires. Hein. Ah ouais. Enfin, avec les archers. Oh là 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 là. Bah écoutez quoi, je pense que il serait peut-être judicieux d'aller attaquer les peaux vertes, parce que faut que j'envoie mes espions, mais là j'ai l'impression qu'ils ont plus d'armée. Il suffit que j'envoie une armée s'occuper de ces deux derniers trucs. J'en ai une qui monte et qui prend qui va prendre le pic noir et autres. Bon, le pic noir ça va être très, très dur à prendre, mais je pense qu'une petite un petit siège, un petit blocus et ils tomberont tout seuls. Et lui, il pourra peut-être prendre les villes en arrière. Ah, là, c'est vraiment temporisé. Je temporise à mort, mais en fait, je me demande, c'est peut-être pas la bonne occasion parce que ils sont en guerre contre les vampires. Et ils ont, je crois qu'ils ont toutes leurs grosses armées qui sont là-haut. Alors on va faire un tribut, voilà, merci. Ah ben voilà où il est lui. Monsieur Gringor, boîte en fer. Ça je vais en faire deux et après je vais lui faire des autres. D'accord, Gringor est ici. Là, je vais faire ça. Merci. Comme ça, en plus, ça me ramène des orques. C'est cool. Tu peux pas aller t'occuper des putain, hein, qui suis-je à foutre là avec ton armée, toi? Ah bah... Ça va tomber, ça. Ah ouais, ils ont déjà... Ah ouais, d'accord, les vampires ont rasé... Ouh, ils perdent du terrain, les orques. On va te faire descendre. Là, on a là, donc toi. Ok.
Grignard Mortefeu en train de reculer. Oh putain, j'ai un trou qui remonte. Vas-y, remonte là-haut là. T'as des vampires qui te font chier, vas-y, remonte. Là, tu viens de perdre encore une cité. Profites-en. Comment ça, en train de le mettre à l'envers? Non, 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 tu le mets pas à l'envers, toi. Nous, on se balade. On est tranquille, comme ça, entre nous, là, tranquille. Moi, je veux savoir où sont tes armées. Peinard. T'as rien du tout. T'as une armée là. Alors. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien du tout. Et eux. Ah, en fait, t'as rien comme armée, quoi. Je. Comment dire? On va te mettre là. On va encore attendre un petit tour. Oui, j'en ai plus que ça. Alors attendez. Est-ce qu'on peut faire la paix avec vous? Toujours pas. Il y a les peaux vertes là. Salut les mecs. À première vue, non. La tilée. Ah, la tilée, le reste du territoire en bas là. Le problème de la tilée, si je leur déclare la guerre, je me reçois. Ouais, je risque d'être en guerre aussi contre l'Estalie et j'ai pas envie de me taper des armées estaliennes qui se baladent dans chez moi. Pour l'instant, je. Voilà, je pille ça tranquillement. Barakvar. Putain, je pourrais prendre facilement Barakvar, mais. Ils n'ont plus rien, quoi. C'est. C'est un peu la misère. Qu'est-ce qui te manque, toi? Tout ce qu'il te faut, hein? Ceci pourrait être très intéressant pour moi. Alors, lui, il a son armée là. Tu peux rien faire. T'as quoi par là, là? En fait, t'as pas d'armée, quoi. C'est. Il y a les vampires qui sont là, peinardement, en train de se balader. My axe thirsts for war. Start the war. C'est marrant, ils peuvent pas recruter. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués. Bon, on va faire des. Ah, peut-être que. Ah, écoute, le même prix. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Attends, qu'on mêlée, par contre, c'est pas ça. Commandement non plus. Armure non plus. Portée encore moins. Seul truc qu'ils ont bien, c'est déploiement de l'avant-garde et attaque empoisonnée. Bref. Voilà. On va faire une mini-armée ici. Parce que ici on a quoi? On a rien du tout comme. On a rien.
Je bien envie d'aller titiller les peaux vertes. Il est passé au Gringor là. Où est passé le petit Gringor? Non, il est pas là. Ok, toi. Oui, en zag, c'est quoi ça? C'est plus 16 en commandement. Hop, je vais te donner ça. Plus d'argent. Unité recrutée. On a tous les archers. Ok, c'est bon. On va faire ça. Ça, c'est juste pour les titiller, quoi. Ici, on pourrait faire en plus... J'ai bien envie de faire des... des petits loups. Chercher c'est bon. Ouais, orc en plus. Orc en plus, ouais. Faut que je fasse de l'orc. De l'orc. On va se mettre là. Eux sont en train de se faire assiéger par ça. Et là... il y a eux qui... ah oh, putain, je gagne plus d'argent là. C'est pas juste ça. On va pas attaquer ces mecs là. C'est marrant, il manque une armée, je sais pas où elle est. Oui, leur armée. Il est en embuscade. Oui, je pille un peu leur territoire. Bon, bah, c'est... c'est ça qu'on se fait entre nous, quoi, entre peaux vertes. Bon, là, par contre, il va falloir que je construise, comme ils disent, du magot. C'est un peu laborieux. Ici, on peut faire quoi? C'est quoi ça? Mont Brumeux. Ah oui, c'est le Mont Brumeux. Donc, le Mont Brumeux, il est là. Qu'est-ce que je pourrais faire au Mont Brumeux? C'est vrai que je pourrais faire des trucs comme ça. Ouais, pour l'instant, c'est pas... Oh la vache, regardez, 1338. Hop, 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 hop. Ça c'est du pognon, je vais pas dire non. Je veux savoir ce que font les vampires. Les vampires sont repartis chez eux. Et c'est moi ou elle est en train de se faire assiéger? Ah ouais, ils sont en train, d'accord. Elle est en train d'être assiégée. Ok. Donc Caracadrine est en train de se faire assiéger par les vampires. On a... ça aussi qui est en train de se faire assiéger là. Ou alors elle a été pillée plutôt, non? Je sais pas, c'est pas marqué. Non, elle est en train de se... à mon avis, elle est en train de se faire piller, mais elle a dû se faire piller, mais elle a pas été assiégée. Ouh,
Ils ont du mal les orques là. Et ça je vais peut-être en tirer avantage. Pour l'instant je me fais du pognon sur leur dos. C'est pas... pas mal, non ? Voilà. Je les titille un peu en fait, c'est ça le truc. Non, non, attendez. Ah. Peut-être prendre ça finalement. Des petits pauvres, des petits gobelins des familles. Et on va prendre ça pour l'instant. Voilà. Cette armée-là, je vais m'en servir pour aller conquérir leurs deux petites colonies qui sont chez moi. Je pense que ce sera suffisant. Ah, le stand a été détruit. À mon avis, ils ont été détruits par le chaos. Tant mieux. Comme ça, il ne m'attaque pas moi-même. T'es qui, toi? Bon, allez, tiens, hop, t'as ça. Ah. Hop. Ah, ça, c'est toi, ça, je m'en doutais. C'est le bordel, là. Non, les orques ne m'attaquent pas, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais... on va améliorer ceci. C'est vraiment, faut que j'améliore mon économie. Moi. On est à 100 là, c'est parfait. Toi tu vas aller là. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est Gringor boîte en fer? Non, c'est Vorgaz. Ok. J'hésite franchement à attaquer maintenant. Je peux vous le dire. Pour l'instant, je me fais du pognon sur leur dos. En fait, ça évite aussi que j'ai l'animosité dans mes armées. Mais ils ont quand même, enfin, des armées en face. Ils ont trois armées en face de chez moi. Dont une, je ne sais pas où elle est passée, et la deuxième a disparu aussi. J'adore quand leurs armées disparaissent comme ça. C'est hallucinant. Je ne sais pas où ils sont passés. Surtout que... normalement, ils sont toujours en guerre contre... Oh, attendez. C'est moi ou... Ah non, ok. J'avais cru qu'ils avaient repris leur territoire, là. Ils ont perdu Karak-Kadrin. Bah, ayons... Et là, attendez, il y a... Ah oui, d'accord, il y a l'entre de Garza qui est en train de se faire assurer. Oh la vache, je suis en train de tout perdre. Pourquoi ils sont fait attaquer? C'est le chaos là ou quoi là? Ils sont en train de se faire bouffer. C'est tendu. Bon, allez. Bon, le truc... Ah ouais, quand même, ils ont des... Où ils sont par là? Il y a deux armées qui ont disparu et ça m'inquiète. Je veux bien attaquer, mais tant que je sais pas où sont leurs armées, ça me refroidit un peu, on va dire. On va améliorer ça. Parce qu'ils sont... Vous êtes quand même à la frontière, vous. On est déjà à 45 minutes, il n'y a même pas une petite bataille, quoi. Ça va être que du
que la gestion. Ah, alors c'est les jeunes bêtes. Qu'est-ce que vous voulez? Traité de paix? Oui, je m'en fous. 100 pièces d'or, ouais, super. Sans faire une épée. Pillard. Ces crétins, ils ont pillé des trucs, d'accord. Ils sont diplomatiques, une crochue. Non. On va garder bonne relation avec la Lune Crochue parce que j'aimerais bien les intégrer plus tard. La Lune Crochue en guerre contre les vampires. Ah d'accord. Peut-être pas, je vais peut-être pas non plus les intégrer plus tard finalement. Ça se trouve, toutes leurs armées sont montées là-haut. Hein. Parce que là, je trouve ça bizarre que leurs armées soient pas là en fait. C'est chelou. Bon. Bon. Le pire, c'est qu'ils sont en train de se taper des... Allez, au grand moyen, au grand remède. La colline de Veranka, ils ont que ça. Donc, on va... Allez. Ok, bon bah, genre, qu'est-ce qu'on pourrait, c'est... Qu'est-ce que je pourrais amoindrir? Oh, espèce de naze. Pas possible, ça. Ah oui, alors toi, on va te faire... Alors oui, avant d'attaquer, ce que je vais faire... que je vais descendre tout le monde déjà. Je fais attends, ouais, je fais gaffe que. Commande maximum partout, c'est parfait. Et ici c'est ça le mont Brumeux. Qu'est-ce que je pourrais faire au mont Brumeux? Gorge de la mort. Au mon moment, je peux peut-être faire ce truc là, ouais, les 500. Allez, un petit dernier tour et après on va déclarer la guerre aux peaux vertes. Je pense qu'ils sont partis dans le nord, les peaux vertes se friter avec les le chaos, le c'est parfait. En plus il y a une morgue qui se ramène. Alors, donc, ce qu'on va faire, premièrement, bâtiment construit déjà, hop, obtenu, oui, attendez, voilà. On va faire ça, faire ça, hop. Hop, parfait. Et ensuite il y a toi aussi. Tu couches ça. Hop. Alors, dans l'ordre. Donc toi tu pourras pas attaquer. Écoute, je vais te mettre là pour l'instant. Toi, tu peux rien faire en fait. T'es chiant. Tu feras ça au prochain tour. Oh, Caraco Upic, je peux la monter à... Ah, ça c'est très intéressant. Alors. On va faire ça. Déclarer la guerre. On va faire des tours. Hop. Premièrement, on va faire ça. Deuxièmement, toi, tu vas aller t'exciter là-dessus.
Comme ça va les amoindrir. C'est mon but principal. Ah mais toi tu peux plus attaquer maintenant. Bon, tant pis. Tu restes en stand-by ici. Yes. Toi tu peux rien faire. Toi là-haut. Oh putain. Tu vas rester à faire ça. J'avais pas prévu que ouais, me faire une autre armée, ça va coûter aussi cher. Et donc toi, tu m'attaques ça. Bon, vu qu'il y a énormément d'armées. Alors beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le siège. Et en fait sur cette armée là, ce que je vais faire c'est que bah en fait je vais attendre les 14 tours. Et même pas, je crois qu'ils ont je vais attendre qu'ils soient en attrition, comme ça ils vont perdre tout leur leur flagrant. Et voilà. Donc là je passe un tour pour voir ce que font, où sont leurs armées. Et là forcément ils viennent m'attaquer. Je ne pensais pas que ils allaient m'attaquer directement. Bon, c'est pas grave. Non, parce que là je fais pas le poids, franchement. C'est pas grave, on va attaquer d'autres cités et celle-là on la fera en dernier. Ah ça m'intéresse. Baravat ACG, pic noir. Ici. Hop, je vais aller plutôt me faire le rocher de fer. Et là. Pas me prendre la tête avec ça. Un peu plus d'argent, c'est cool. Wouh! On va mettre un sac. Oh, ça fait du bien ça. Je vais te mettre sur un sanglier de guerre. En plus, t'as reçu une épée, c'est cool. Et après je te ferai re-attaquer pour la prendre. 11 000, bam. Zogoff, let's fight. This is my land. J'aimerais bien prendre la tour de pierre aussi. Je suis à moins 28. C'était juste pour avancer un chouïa et... Et après j'irai attaquer. Parce que je ne sais pas où sont les... Ah bah, l'encre de Scanax a été détruite. C'est bien, le tout le nord là se retrouve isolé. Oui, je suis un salaud d'en profiter pour attaquer par l'arrière. Mais il faut. Allez, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc pas de bataille dans cet épisode. Mais... On aura une grosse bataille, surtout que là, oui, on aura largement une grosse bataille dans le prochain épisode. Je passerai quand même plusieurs tours pour voir les tours de garde. Mais dans le prochain épisode, on fera une baston. Et après, on ira grappiller le rocher de fer, on ira prendre les deux colonies. Ça va me donner beaucoup d'argent et ça va être cool. Je vais pouvoir améliorer mes armées derrière. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Total Warhammer avec
les mains sanglantes dans la semaine, donc deux épisodes dans la semaine, et après on continue, on recommencera en alternant Elfe Sylvain et Peau Verte. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao.